au niveau maquillage, alors je me suis pas maquillée des caisses. En vrai, j'ai pas grand chose à part du mascara et un peu de rouge à lèvres, aussi un tout petit peu d'highlighter, mais c'est tout. Et voilà. Donc j'ai surkiffé les, je vous en avais parlé, je crois, les Shimmer Down de chez NYX que je rajoutais systématiquement. En fait, c'est des trucs très, voilà, très paillettes, enfin pas paillettes, mais très shimmer quoi. Hein, donc ça fait. Paf, voilà, ça fait des chocs à pic quoi. Et je les ai adorés, surtout cette couleur là, c'est la couleur Pout and About, qui est un espèce de orangé avec des paillettes un peu dorées. Et quand je les mettais par-dessus des rouges à lèvres rouges ou des trucs comme ça, ça donnait tout de suite un petit côté pep ça. Et franchement, je les aime beaucoup. De toute façon, j'aime bien NYX de manière générale, j'avoue. Je disais donc, avant que ma batterie ne se suicide comme une grosse merdasse, c'est-à-dire qu'elle était pleine, en 3 minutes elle s'est déchargée, je pense qu'elle était chargée depuis longtemps, donc ça... bref. Donc si ça se trouve, le cadrage n'est pas du tout le même, bon c'est pas grave, vous avez l'habitude, c'est à l'arrache. Je sais plus où j'en étais, c'est génial. Donc je disais que j'utilisais très souvent cette palette Sleek, qui est la Contouring and Blush Palette Light 373, où vous avez un highlighter, un bronzer et un blush. Alors je me suis pas mal servi de l'highlighter que je trouve plutôt sympa. Je vais vous montrer, même si à mon avis vous allez rien voir du tout si on voit. Voilà, il est franchement sympa, vous passez une fois le doigt dedans, c'est bon, hein, vous êtes enluminé pour toute la vie. Et puis c'est tout en fait. Et puis des fois un petit coup de blush, bon bah maintenant ça sert plus à rien parce que je suis beaucoup trop bronzée pour m'en servir. Mais voilà, je l'ai bien aimé. Puis ce qui est pratique, c'est que vous avez aussi le bronzer avec, ce qui fait que quand par exemple je fais de la scène et que j'ai pas envie de me charger dans tous les sens pour me maquiller, et ben je prends ça et puis au moins c'est réglé. Et j'ai beaucoup utilisé aussi ce blush I Love Makeup Peach and Glow. Je le trouve, en fait je l'utilisais pas au début, il est hyper enfin en fait je mettais ça sur les joues, cette espèce de corail pétant là qui ressemble un peu au Orgasm de chez NARS d'ailleurs. Je sais pas si vous le voyez bien, mais là on voit plus rien sur ma peau, elle est trop bronzée. Et en fait je venais choper cette espèce de petit doré que vous avez là, hop, et je le mettais en highlighter en fait par dessus, ce qui fait un truc très glow effectivement. Vous voyez un peu, c'est un peu une bombe hein, celui-là. Et franchement, j'ai adoré cette petite palette, et puis elle coûte 3 fois rien puisque c'est du I Love Makeup, donc c'est pas cher du tout. Et c'est très sympa. Pour les ongles, je me suis éclatée, enfin je me refais un petit peu les ongles, alors vraiment à l'arrache. Je me fous des stickers dessus pour m'amuser, vous voyez rien, c'est magnifique. C'est des ongles pourris de toute façon, donc en même temps il n'y a pas grand chose à voir, mais ils sont pas très longs. Mais je me suis amusée, j'ai commandé des stickers sur Wish, voilà, il y en a toutes sortes, des petites fleurs de toutes les couleurs, des... bon, je ne vais pas tous vous les montrer, mais il y avait un espèce de lot, et franchement, j'avoue, j'ai bien aimé, ils tiennent plutôt bien, et ça coûte que dalle, donc j'aime bien. Au niveau des choses plutôt pour la plage, il faut quand même que je vous montre mes tongs, que ça fait genre 10 ans que je les ai, mais que je les aime de trop, et je les avais achetés à la halle. C'est des tongs gelato, et elles sont trop bien, elles tiennent trop bien, elles sont jaunes, elles sont affreuses. Je les avais payées, je les avais achetées en solde en fait, parce que je voulais des tongs, et moi ça me fait toujours mal entre les doigts de pied, là ça m'énerve, et en fait cette texture un peu, ça fait un peu gel, ouais, enfin c'est très bizarre comme elles sont foutues. Et elles sont tellement confortables, c'est mes tongs de plage ou pour traîner et tout, elles sont d'une mocheté sans nom, jaunes comme ça. Mais voilà, fallait que je vous en parle parce que je les ai jamais vues ces tongs, enfin j'en ai jamais entendu parler et je sais pas si elles existent encore. Mais en tout cas, cette texture un peu gel pour celles qui craignent les trucs entre les doigts de pied, c'est vachement bien. J'ai aussi beaucoup utilisé ces chaussures que j'avais achetées, je ne sais absolument pas où, mais je vous les montre quand même, pour celles qui craignent d'avoir de foutre les pieds dans la mer. C'est pas que je crains de mettre les pieds au fond de l'eau, enfin si un peu, parce qu'en fait ma mère a déjà été piquée par une vive et ça fait extrêmement mal, donc voilà, quand on est piqué par une vive ça fait mal, du coup il faut mettre du chaud dessus, donc soit on fait pipi sur le truc pour que ça soit bien chaud, soit on met les pieds dans le sable, soit on chauffe au sèche-cheveux, enfin voilà, ça fait très mal. Et pour éviter ça, j'utilise des pompes qui sont du coup maintenant un peu passées, hein, parce que ça fait longtemps que je les ai. Mais des petites pompes comme ça, un peu de surfeur, là, et bon, on a l'air un peu con quand on va dans l'eau, c'est sûr, ça fait pas naïade de ouf, mais je m'en tamponne le coquillard, si c'est pour éviter d'avoir des piqûres de vive, j'aime autant. Voilà, j'ai adoré ce petit truc-là, c'est pareil, je sais que Hello Famille, tu t'en es servi, d'ailleurs, je crois que je l'ai commandé après avoir vu une de ses vidéos. Parce que je me tâtais à l'acheter, et quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit, ouais, ça le fait, je vais essayer. Et je l'ai commandé que dalle sur Amazon, parce que du coup, j'ai demandé une livraison rapide.
C'est un petit truc pour mettre le portable, une pochette en fait, qui est étanche. Vous pouvez même vous en servir, le foutre dans l'eau et tout, le portable avec. Hein. Et du coup, vous la refermez, vous mettez le portable dedans, vous la refermez et ça protège vachement bien du sable et du soleil et de l'eau et de tout ce que vous voulez. Donc, enfin, du soleil moyen en fait, mais voilà, et j'aime bien. Voilà, et vous mettez et après vous venez refermer là. Voilà. Et du coup, c'est bien protégé là-dedans. Et j'ai bien aimé pour glisser dans mon sac de plage, c'était quand même bien pratique. Petite dédicace à mon tonton qui ne passera de toute façon pas sur ma vidéo puisqu'il ne regarde pas mes vidéos, parce que je ne sais même pas si c'est se servir de YouTube. Mais voilà, c'est un petit short que mon oncle m'avait acheté l'année dernière quand il l'avait vu sur un marché ou je sais pas trop où. Enfin bref, il a dit oh, je verrai bien. Voilà, donc il m'avait acheté un petit short tout mou comme ça avec des hiboux. Et des petites franges en bas, et en fait je l'ai mis, j'ai fait que le mettre quand j'étais en maillot de bain. En fait c'est trop pratique, ces shorts mous, enfin j'adore. Et j'ai aussi surkiffé ces serviettes, alors je vais re-ranger celle-ci, ces serviettes un peu style filet de pêche, qui sont comme ça, et en fait vous les mettez en dessous de votre serviette de plage, et parce que se mettre dessus franchement ça sert à rien. En fait ça filtre, du coup vu que ça fait un espèce de filet, ça filtre le sable et du coup on a beaucoup moins de sable qui s'incruste dans les serviettes et qui se met dessus. Et c'est quand même bien pratique. Elles font 2 mètres sur 2 je crois. Non, 150 sur 200 pardon. 1m50 sur 2 mètres, et franchement c'est super grand. On se mettait à deux dessus et génial quoi, franchement de la balle. On avait beaucoup moins de sable de partout, c'est vraiment pratique. J'ai aussi absolument surkiffé, j'ai acheté 3 casquettes comme ça, je vous en montre une, mais voilà, je les ai achetées sur Wish aussi, je crois celle-ci. Mais vous pouvez sûrement en trouver ailleurs. Hein. C'est des casquettes en fait où vous avez le trou là-haut pour passer la queue de cheval. Parce que moi j'ai très très souvent des queues de cheval hautes parce que j'ai trop chaud, donc, ou un chignon haut. Et en fait c'est très chaud quand vous avez une casquette, ça ne vous rentre pas sur la tête. Alors que là du coup vous avez le trou derrière si vous voulez faire une couette basse, et vous avez le trou en haut si vous voulez passer la couette. Et franchement c'est trop bien, je vous jure c'est de la balle. J'ai vraiment kiffé quoi, au moins je pouvais avoir les cheveux dégagés et tout, pas emmerdés, enfin voilà, nickel. Donc trop bien ces casquettes. Juste en vêtements, je vous montre un des vêtements que j'ai acheté au solde quand j'étais dans le sud. Mais d'ailleurs c'était même pas les soldes en fait, c'est un vêtement que j'ai acheté là-bas, c'est tout. Et en fait j'ai adoré ce haut et il fallait que je vous le montre. Je vous montrerai peut-être si je reçois quelques trucs, parce que j'ai pas fait trop les soldes. Enfin il y a aussi cette combi pantalon que j'ai acheté dans le sud là, mais ce haut là je l'ai trop kiffé. Voilà, il est tout con hein. C'est un crop top voilà, avec ici rembourré, donc vous n'avez pas besoin de mettre de soutien-gorge. C'est un col bateau et franchement mais qu'est-ce qu'il est joli quoi. Sur une peau bronzée en plus, mais enfin même sur une peau blanche d'ailleurs hein. Il est bleu marine et je l'ai payé pas très cher, une dizaine d'euros, et franchement je le trouve trop beau. Il existait en noir ou en d'autres couleurs et limite j'hésite, je suis un peu déçue de ne pas l'avoir pris en noir aussi parce que je le trouve vraiment trop joli. C'est tout bête hein, mais je trouve ça fait un peu, je sais pas, j'aime bien, je le trouve classe en même temps. Voilà, on va passer maintenant aux flapounets, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Il y a donc des choses que je vous déconseille d'acheter, après vous faites comme vous voulez, mais voilà. Donc on va commencer, si ma belle-sœur passe par là, je pense qu'elle va me tuer, mais c'est pas grave, je m'en fous, j'assume mes opinions. C'est un spray pour les cheveux qu'elle m'avait donné, parce qu'elle travaille avec la marque Kun Cosmetics, les trucs pour l'air cosmétique pour les cheveux là, qui sont à base d'huile essentielle, beaucoup de choses comme ça. Bref, et elle m'avait filé ça, qui donc protège les cheveux agressés par le soleil, nanana, on se met sur les cheveux, et puis il y a un filtre UV, et puis machin, bidule. Et ben je ne vois pas la différence quand je le mets et quand je le mets pas. Et puis surtout ça m'a fait des boutons, parce que cette petite chose, la deuxième chose qu'il y a dedans, alors déjà en premier c'est de l'alcool dénaturé, bref, et en deuxième c'est des diméticones, donc c'est du silicone, donc forcément ça m'a, il y a du trisiloxane, donc c'est de la merde, du parfum dedans, des, enfin un, voilà hein, il y a, si vous, en fait faut pas regarder la compo hein, parce que vraiment ça fait très peur. Et franchement j'ai pas aimé en fait. Alors je vais le finir parce que, enfin et encore je sais même pas si je vais le finir d'ailleurs, mais voilà, donc moi je n'ai pas aimé ce spray. Je sais qu'elle, elle travaille beaucoup avec la marque Kun et qu'elle aime beaucoup cette marque, etc. Mais en tant que coiffeuse hein, je vais dire, mais en tout cas moi je n'ai pas kiffé, vu ma peau et mes cheveux, ils ont pas aimé, voilà. Donc pour moi en tout cas c'est un flop, mais après ça veut pas dire que c'en est un pour tout le monde hein. Autre flop, j'avais acheté,
par pur hasard, dans ma folie, je prends des choses un peu moins dégueulasses niveau compo. Un gel douche de chez Melvita, qui est au camélia blanc et au miel de fleur d'oranger. Et putain, je vous jure, ça me faisait rêver le nom de camélia blanc, miel de fleur d'oranger. Oh, je trouve qu'il pue. Je suis j'étais blasée. Quand je l'ai ouvert dans ma douche, j'ai envie de pleurer, quoi. Franchement, j'aime pas l'odeur, quoi. Et en plus, bon, il est pas spécialement nourrissant, d'ailleurs. Il a plutôt tendance à sécher la peau qu'autre chose, je trouve. Mais vraiment, je... Pourtant, j'adore la fleur d'oranger, mais alors... Ah, j'aime pas. Je vous jure, j'aime vraiment pas, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui me déplaît dans ce truc, donc je suis dégoûtée, je l'ai pas aimé. Voilà. Alors peut-être que quelqu'un l'aime bien, il me reste encore tout ça à utiliser, je crois. Je sais plus quoi exactement, mais... J'ai pas envie parce que j'aime pas. Mais je vais finir. Ensuite, un autre flop, vous allez être assez étonnés à mon avis, c'est le parfum Escada de cet été, le Sorbetto Rosso. J'achète tous les parfums Escada chaque été et chaque été je me dis, mais putain, pourquoi tu le rachètes à chaque fois? Parce qu'en fait, ces parfums, ils sentent une heure à tout casser et après ils ne sentent plus rien. Ou alors ils virent sur la peau et ça sent dégueulasse. Et pourtant, chaque été, je suis débile et je rachète le parfum parce que ça sent les fruits, ma gna gna gna. Alors il sent bon, hein, mais d'ailleurs il sent comme tous les parfums Escada. En fait, je pense que si je les compare, ils sont tous pareils. Sauf un, je crois, qui est un peu différent. Donc ça sent les fruits, machin, bidule, mais bon sang, mais ça tient pas sur la peau, et puis ça vire, et puis ça pue, voilà. Donc j'arrête les parfums Escada. Je crois vraiment il faut que j'arrête d'en acheter parce que c'est pas possible. Donc voilà, donc je suis dégoûtée et j'en ai plein d'autres à la maison d'ailleurs et je sais pas ce que je vais en faire. Je vois limite je vais les vendre, je vais les jeter, je sais pas ce que je vais faire, mais voilà. Et enfin, dernier flop, je suis dégoûtée d'ailleurs. J'avais acheté pareil dans ma folie, je prends des trucs un peu plus clean, mais même vous savez que pour mes cheveux je prends un peu des trucs sans silicone et tout, je fais attention parce que ça me fait de l'acné, ça me bouche les pores en fait, et après ça me fait de l'acné, donc même si je rince bien c'est la merde. Donc j'ai voulu tester les shampoings Avril avec l'après-shampoing que j'avais acheté dans un shop coiffure, c'est un magasin, un grossiste, voilà. Je me suis dit bon la compo est pas trop dégueulasse, je vais tenter, on verra. Mais mes cheveux ils ont pas aimé du tout, mais pas du tout du tout du tout. Parce que bah parce qu'en fait il n'y a pas à chier, hein. Quand on utilise du bio au soleil, sauf si vous avez des noms de trucs à me donner, mais alors quand on va dans la mer, dans la piscine et compagnie, moi mes cheveux ils ont mouru avec ça, et clairement ils ont décédé quoi. Ça m'a séché encore plus les cheveux, du coup j'ai été obligée là, pour, vu que je repars en septembre, de me prendre vraiment des shampoings de merde qui vont me faire de l'acné, mais tant pis parce que mes cheveux vont tomber sinon, donc j'ai pris du coup des kérastases spéciales soleil là, machin et tout, c'est de la grosse daube, mais j'ai pas le choix en fait, parce que mes cheveux ils ont vraiment pas aimé du tout quoi, donc là je les ai un peu récupérés en faisant quelques soins hier et tout, mais franchement tout pourri quoi. Pourtant c'est à l'huile d'argan et de ricin, donc le shampoing bah, il lave les cheveux, mais forcément il mousse pas des masses, et l'odeur, ça sent pas très bon, la texture j'aime pas trop, je trouve que c'est trop liquide, je trouve que ça lave pas très bien les cheveux, enfin je sais pas, j'ai vraiment pas été convaincue, et l'après shampoing pareil, j'ai bien essayé de le laisser poser 5 à 10 minutes que, comme ils disent, mais franchement mes cheveux ils étaient tout niqués quoi, oh, je parle trop mal en vrai. Mais ouais, donc franchement je suis bien déçue, et ça c'est pareil, à mon avis je vais y jeter, enfin franchement je vais pas y garder, parce que même en temps ordinaire je pense que ça va me bousiller les cheveux tellement ça les assèche en fait, donc pourtant cheveux secs et abîmés quoi. Voilà un petit peu pour mes tops et mes flops, alors il y en a peut-être d'autres hein, que j'ai oublié même sûrement, mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ça vous a fait plaisir de me retrouver en vidéo, voilà, j'attends quelques colis, je pense que je vous ferai une petite vidéo achat, un peu solde, voilà, des trucs que j'ai reçus, bon, enfin je vais essayer de trouver des vidéos à vous faire plus régulièrement parce que c'est vrai que ça me manque, et, mais j'ai toujours des soucis de timing, de trucs comme ça, enfin je sais pas comment je me débrouille, mais j'ai l'impression que j'ai le temps de rien, que journées sont trop courtes. Voilà, en tout cas, rejoignez-moi sur Instagram, mettez des commentaires, partagez tout ça, pareil sur Snap, alors j'y suis un petit peu moins parce que du coup moi j'ai un peu du mal à faire tout en même temps, j'ai un peu... Donc j'ai du mal à faire Snap et Instagram, mais voilà, globalement je suis un petit peu partout, enfin j'essaye si je peux. Et puis il y a aussi une page Facebook qui du coup, bon, en fait c'est juste les photos d'Instagram qui sont reportées dessus, donc ça n'a pas grand intérêt, mais bon bref, ça vous empêche pas, vous pouvez quand même me contacter. Voilà, et bien sur ce, je vous bisoute bien bien fort vos petites tronches, et puis je vous dis à bientôt.